Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le salon ISE 2017 Amsterdam dans le but de vous présenter une toute nouvelle fonctionnalité dans notre produit Vulcanix. Cette fonctionnalité est basée sur Siri, donc sur la reconnaissance vocale. Je vais pouvoir tout d'abord commencer par une petite présentation de ce produit en lançant un scénario d'arrivée. Je suis à la maison. Comme vous le constatez, l'ensemble des lumières se sont allumées, l'enceinte s'est mise en route et les volets se sont levés. Désormais, je veux régler le volet sur 50%. Règle le volet sur 50% dans la cuisine. Je peux régler également le chauffage. Règle le chauffage sur 21 degrés dans la living room. Comme vous le constatez, il a directement réglé. Je peux également lui poser la question, quelle est la température dans cette pièce? Quelle est la température dans le salon? Donc, on vient de m'informer que la température actuelle dans la pièce était de 22 degrés. Je peux également régler le volume de l'enceinte. Règle le volume sur 70% dans le panneau. Éteins l'enceinte. Et pour finir cette démonstration, je vais lancer un scénario de départ. Je pars de la maison. L'ensemble des équipements. Désormais, avec cette passerelle, vous pouvez programmer l'ensemble des fonctions KNIS à l'intérieur. Vous allez pouvoir renseigner le nom et les fonctions. Donc les noms, ce sont la pièce, et les fonctions, ce sont les noms des circuits. Et lorsque vous allez programmer cette passerelle uniquement avec ETS, donc vous n'avez pas besoin d'exporter des adresses de groupe ou d'avoir d'autres logiciels, l'ensemble de ces informations vont être envoyées dans le serveur Vulcanix pour pouvoir permettre la reconnaissance vocale. Donc c'est vraiment un produit plug and play. Si vous voulez utiliser la reconnaissance vocale, vous avez juste besoin de programmer une unique passerelle dans ETS. Voilà, je vous remercie.